Et bah salut les amis, c'est Parisien Gamer, donc aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo. C'est la 31ème épisode d'une série d'Euro Truck, comme tous les samedis. Let's go, allons-y. Allez, aïe, attention. Aïe, aïe, aïe. Ça commence mal déjà. Aïe, 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 aïe. Bon allez, allons-y. Déjà je me fais accrocher par... Ma remorque, je suis accroché par un lampadaire, c'est n'importe quoi. Allez, ah, feu rouge, feu vert de toute façon. Allez, on va tourner. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que notre sport? Regardez-moi ça. Notre sport, du bateau. On y va jusqu'à Milan. Bon, aujourd'hui, c'est un très beau bateau qu'on a, franchement. Magnifique, magnifique. Aïe, aïe, aïe. Putain, mais il y a trop d'obstacles là. Bon, allez. Putain, le beau bateau va se faire niquer. Mais bon, pas grave. Allez. Regarde. Alors, le trajet du jour. Aujourd'hui, on est de Berne. On y va jusqu'à Milan. Alors, regardez un peu le décor. Là, j'ai mis le drapeau de... Non, d'abord, j'ai mis la couleur bleue. Oui, la couleur que j'aime le plus. Ouais, j'ai ajouté pas mal de trucs. Hein. Aussi, j'ai mis le drapeau de l'Espagne. Parce que j'ai pas trouvé la France, malheureusement. Et j'ai le logo du Barça, là. Attends, je vais vous montrer là. Là, logo du Barça. Mais en fait, c'est pas écrit FCB, ils ont écrit FBC. Je comprends pas, ils ont mis FBC alors que c'est FCB, mais bon. Bref, ça représente Barça en tout cas. Bon, allez. Allons-y. Je crois qu'on a tout présenté là, c'est bon. C'est vrai que le bateau n'a jamais. On n'a jamais transporté du bateau, mais bon. Et bon, cette fois-ci, ça va être une bonne chose. Hein. Cette fois-ci, ça sera un bel exploit pour transporter un bateau. Enfin non, c'est pas que c'est un exploit, mais c'est une grosse nouvelle, hein, transporter un bateau. Comme ça. Attendez, on va prendre la photo, d'ailleurs. Attendez, on va prendre la photo bientôt. Attends, on va juste doubler ces camions. Regardez comment c'est magnifique. Regardez comment c'est magnifique. Attendez. Voilà. Avec le bateau derrière. Comme ça. Comme ça, c'est beau. C'est magnifique. J'aime trop ce... J'ai bien fait de mettre graphisme ultra. C'est magnifique. Je vais le garder pour toujours. Mouah. Voilà, là, je rigole. Bon allez. Alors d'abord on va débuter les pronos. Les pronostics. Attention. J'ai pas oublié ça, le pronostic. Alors pronostic de Ligue 1. Ligue 1 Conforama. Alors c'est Lille qui va affronter Bordeaux. Alors Lille-Bordeaux, je prends un ticket sur Lille. Victoire 1-0. Ouais, 1-0 pour Lille. Après, attention, attention, je conduis bien. Montpellier contre Angers. J'ai dit victoire nul. Non, victoire Montpellier, voilà. 2-1 j'ai dit. 2-0 plutôt, 2-0. Parce qu'Angers, ça commence à redescendre. Hein. Fait des défaite contre Paris. Après... Après Brest contre Dijon. Brest contre Dijon, victoire. Attention, tu freines trop vite là. Putain. En plus, je suis fatigué. Brest-Dijon, bah j'irai victoire. Nul plutôt. 0-0, je parie. 0-0. Et après, j'ai Lyon contre Metz. Ouais, j'ai dit victoire de Lyon, ouais. Victoire de Lyon 1-0. Encore Lyon qui est encore en difficulté en ce moment. Après, Reims contre Nîmes. Bah, je dirais victoire de Reims. 2-0 pour Reims. Reims sont archi chaud. Puis Reims en podium. Hein.
Dans la meilleure défense, plus. On peut encaisser aucun but. Bon, allez, après. Après. Strasbourg contre Nice. Strasbourg contre Nice, victoire de Nice. 2-1 pour Nice, de tous les cas. Après, on a Reims. Non, Reims, c'est Reims. Rennes. Ah mince, putain, j'adore. Après, on a Rennes contre Toulouse. Bah, j'ai victoire de Toulouse. Victoire de Toulouse encore, parce que Rennes, là, c'est en crise. Hein. Victoire Toulouse 1-0. De toute façon, Ligue 1, c'est que des 1-0, c'est n'importe quoi. Ligue 1, c'est toujours été comme ça, il n'y a jamais de spectacle. De spectacle, toujours 1-0, 2-1. N'importe quoi, tranquille, au calme, au calme. Après, Saint-Etienne contre Amiens. Victoire de Saint-Etienne, 2-1. Après, c'est pas fini. Et après, on a PSG contre l'OM. Le classico. Bah, j'ai victoire du PSG, 4-1. 4-1 sur victoire du PSG, de toute façon. Ah, yeah. Oh mince, je suis tout rouge. Attends, on va dormir. Attends, après. Et voilà. PSGOM, j'ai dit 4-1. C'est vrai que le PSG, mais ils ont battu 5-0 Bruges, donc l'OM. L'OM va se prendre une raclée. Et voilà. On commence à faire nuit en plus, donc on va bien dormir. Après, bon, voilà, on a fini la Ligue 1. Maintenant, la Première Ligue. On va passer en Première Ligue en Angleterre. On a City, Manchester City, va affronter Aston Villa. Victoire d'Aston Villa. Victoire de Manchester City, 3-0. Aston Villa en premier. Aïe. Même si ça a de l'histoire, même s'ils ont une LDC, même s'ils ont une Ligue des Champions, leur City 0. Le seul théorème que Aston Villa mieux que City, c'est au niveau de la Ligue des Champions. Ouais. Dans le seul domaine où Aston Villa mieux que City, c'est au nombre de Ligue des Champions. Mais bref. Après. Ah, fatigué, je sais. Allez, feu rouge. Après, on a Watford contre Bournemouth. Bah, j'irai victoire de. Victoire Bournemouth de 2. 2-1. Watford sont nuls à chier en ce moment. Excusez-moi pour l'expression. Après, on a Brighton et contre Everton. Yes. Victoire de Everton. J'irai victoire d'Everton, franchement. Everton, ils ont gagné le dernier match. Everton favori ce soir là. Cet après-midi, pardon. Donc, après. Victoire 1-0 le score. Non, même pas, 2-0. Après. Non, West Ham United. Yes. Attention. West Ham United contre Sheffield United. Choc contre United. Victoire de West Ham, quand même. 3-1 pour West Ham. Ah, enfin. Enfin, on a passé aucune nuit. Hein. On dort, c'est déjà le jour. N'importe quoi. Ah tiens, ils allument les feux, ils croient encore ces jours. Wow, j'ai soufflé. Bon, allez. Après, on a Burnley contre Chelsea. Victoire de Chelsea. Chelsea qui a battu l'Ajax, donc 2-1 pour Chelsea. Je kiffe trop les deux, hein, d'ailleurs. Non, c'est bon. Bon, allez. Après, West Ham, non, Newcastle, pardon, contre Wolverhampton. Yes. Je dirais victoire de Wolverhampton. 3-0 pour Wolverhampton. Après, Arsenal contre Crystal Palace. Victoire d'Arsenal.
2-1 pour Arsenal. Après, Liverpool contre Tottenham. Victoire de Liverpool, j'irai. Liverpool 3-2 pour Liverpool. Liverpool, yes. Voilà, c'est ici que je choisis ma mission. Alors, on va prendre quoi? On va pas y aller loin. On va y aller à Lyon. Vas-y, ouais. On ira à Lyon. Donc, j'ai oublié aussi dédicace. Dédicace aux supporters du Milan AC et de l'Inter. De Milan. Parce que là, on est à Milan. Donc, je fais une bonne dédicace aux Milanais. Aux supporters Milanais. Encore Milan AC, c'est le meilleur club d'histoire. Hein. Attends, il y a une sortie là. On y va. Bon, allez. Après, on est tout. Ah oui, c'est déjà fait vers tout. Norwich. Norwich City. Tiens. Faut que je mette à vue extérieure pour. C'est ça qui est chiant. Faut que je mette à vue extérieure pour voir les vitesses. Après, on a. Norwich City contre Manchester. Wow. Norwich City contre Manchester United. Alors, j'ai victoire. Manchester United 1-0. Même si Manchester United c'est devenu faible. Hein. Ouais. Bon, allez. Maintenant, place à la Bundesliga. Alors, pas de borne contre Düsseldorf. Donc, ouais. Je dirais victoire Düsseldorf, pas de borne, dernier avec un point. Düsseldorf 2-0 pour Düsseldorf. Ouais. Après, ah, j'ai pas le temps de regarder. Berlin, Hertha Berlin contre Hoffenheim. Victoire. Non, Hoffenheim sans chose. Donc victoire. Non, nul. Match nul 2-2. Hertha Berlin 6, pas mal. Bon, après. Schalke contre Dortmund, wow, le derby. Ça sera un vrai derby, hein. Un des derbys plus chauds de la planète. Schalke Dortmund, le derby de la rue, on va dire. Donc j'irai victoire quand même. Ouais, Dortmund c'est à l'extérieur, c'est perdu contre Inter 2-0. Attention, attention, what? What? Quelle merde! Putain, je fais de la merde! Allez, je m'en sors. Wow, c'est magnifique avec la montagne là. Montagne. Passe au prochain prono. Prochain prono, c'est. Derby de la rue, alors je peux pronostiquer. Bof, nul. Match nul, 1-1. Après, on aura. Le Bayern contre l'Union Berlin. Bah j'irai victoire. Victoire du Bayern, c'est facile. 3-1. 3-0 même. Attends, on va prendre photo. Oui, allez. Ouah, c'est trop beau. Allez, on prend une deuxième photo. Comme ça, c'est trop beau. Voilà, photo finish. Deuxième photo. C'est un très beau, une très belle épisode, franchement. Quel feu. Attention. Après, il nous manque. Qu'est-ce qui nous manque après? Fribourg. Aïe, il tourne. Fribourg contre Leipzig. Fribourg contre Leipzig. Victoire de Leipzig 1-0. Enfin, non. Fribourg sans chaud. Donc nul entre Fribourg et Leipzig, 0-0. Après, Bayer Leverkusen contre Werder Bremen. Werder Bremen, donc match nul, 1-1. On va faire l'essence, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'essence tout à l'heure. Yes. Allez. Après,
Wolfsburg contre Augsbourg. Bah, victoire Wolfsburg. Wolfsburg 2-0 pour Wolfsburg. Wolfsburg, c'est en Europa League. Enfin, moi, Augsbourg. Ouais. Et je sais, et je estime personne. Hein. Tourne. Putain, mais tournez là, putain. Faut que je m'achète un volant. Bon, allez, après, non. Mönchengladbach contre Francfort. Bah, Francfort sont chauds aussi un peu. Ouais. Petite victoire de Francfort, 1-0, ouais. Francfort, allez-y. 1-0. Après, non. Attends, on y va à la Serie A. Alors, pas de Liga cette fois-ci. J'ai choisi, il n'y a pas de Liga. La semaine prochaine, il n'y aura pas de Ligue 1. Chaque week-end, comme j'ai dit, chaque week-end, j'oublie un de ces cinq championnats. Parce qu'il n'y a plus de place, ça fait 4 maximum. Allez, après, il y a Lec. Lec contre la Juve. Victoire de la Juve. 4-0 pour la Juve. Lec, c'est nul à chier. Lec, je ne les estime pas. Oh, encore un autre tunnel. Mais bon, on va prendre photo, ça va être trop dans la mémoire. Et Lec s'en fait mieux contre Milan, c'est quand même. Après on a l'Inter, victoire d'Inter. 2-0 pour l'Inter, sans hésiter. 2-0 pour l'Inter, sans hésiter, comme je dis. Après, attention à faire gaffe, faut pas avoir les deux. Genoa contre Brescia, victoire Genoa. Genoa 2-0. Non, ouais, j'ai gazé pas. Nul 0-0. Bon, après, allez, vais faire vite là. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Payaku comme ça, je crois. Ouais. Sampdoria, victoire de Bologne 1-0. Après, victoire de Spal. Spal, pardon, contre Naples. Victoire de Naples, bien sûr. 3-0 pour Naples. Après, on a Tau contre Cagliari. Victoire de Torino. 1-0. Ouais. 2-1, je dirais. Plutôt 2-1. Après, l'Atalanta. Bergame, bien sûr. Contre celle. Non, pas ça. Contre l'Udinese. Bah, victoire. Bah, nul. 1-1. C'est assez nul. Faut faire gaffe au Paris. Hein. Alors voilà, on est arrivé à Lyon. Donc maintenant, dédicace supporter de l'Olympique Lyonnais. Ouais, j'espère que vous avez gagné contre Metz ce week-end. Dommage pour la défaite contre Benfica 2-1. Et bon, allez. Après, nous montre Rome contre Milan AC. Nul, j'irai. Ouais. Nul 1-1. Milan AC, c'est mort. Ouais. Après, Fiorentina contre Lazio. Et voilà, c'est le dernier pour nous. Fiorentina-Lazio. Ça va être serré. 2-2. Fiorentina de Ribéry, fais gaffe. 2-2 cette fois-ci. Donc nul. J'ai bien pronostiqué un 2-2. Attention, faut que je me garde. Attention, on fait de la connerie là. Et voilà, on a terminé. Et voilà, on a fini. Wow, récompense. Oh là, wow, j'arrive au niveau 29. Récompense. Descends par 308 km. Wow. Après, 6 421 €. Wow. Bon, allez. Et bah voilà, on a fini. Hein. Voilà, c'est bon, on a tout fait. Bah voilà, on a tout dit. J'ai tout dit, tous les pronos. Donc, bah voilà, maintenant, on vous laisse alors. Bon, allez, on vous laisse.